Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'invite quelques personnes, donc partager le live en même temps. J'invite quelques personnes. J'invite quelques personnes. Quelques personnes. Okay. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Franck, bonsoir mon grand frère Armand, mon petit frère Hugues, bonsoir. Fait chaud, c'est vraiment chaud. Bon, ce soir, je voudrais partager le live en même temps. Je voudrais aborder un sujet sur les leaders religieux qui étaient à la présidence hier. Enfin, je ne sais pas si c'est à la présidence ou bien à son domicile ou moi, je sais pas. J'ai été très écœuré. J'étais très écœuré de suivre cette audience à la télé parce que je me dis, moi je suis chrétien, je suis chrétien, je suis de naissance protestant. Ma mère était catholique, fils d'un catéchiste catholique. Moi-même je suis protestant parce que mon père était protestant. Et depuis 2000, j'étais converti à Béthanie. Donc, je suis pentecôtiste charismatique. Et je n'aime pas l'évangile d'hypocrisie, je n'aime pas l'évangile du mensonge. J'aime l'évangile de la vérité. Sincèrement, j'aime l'évangile de la vérité. Et j'étais très, très choqué de voir les leaders religieux. Il y avait l'archevêque de Libreville, il y avait Francis Michel Malinga, il y avait l'imam Hossein et je crois le nouveau président de l'église évangélique du Gabon, qui ont été reçus à la présidence de la République. Enfin, je ne sais pas si c'est à la présidence de la République ou bien dans une de ces maisons privées, je ne sais pas. J'étais très choqué. Très choqué parce que Kalu Bongo soit en vie ou mort. Je crois que les leaders religieux, quand ils vont lui rendre visite, je crois qu'ils devraient faire comprendre à ce monsieur que Dieu existe. Et Dieu existe dans ce pays. Dieu existe dans ce pays. Que Dieu existe et Dieu existe dans ce pays. Parce que c'est bien beau d'aller le voir, l'encourager. Parce que je sais qu'ils sont partis pour l'encourager. Oui, c'est bon, vous avez retrouvé la forme. Vraiment, nous avons prié pour vous, pour que vous soyez debout. Je sais que ce sont ces paroles-là, des paroles mielleuses, parce que ils s'attendent à quelque chose. Ils ne sont pas partis avec un message. Ils ne sont pas partis avec un message. Un message du genre, Monsieur le Président. Si c'est vraiment lui, hein, vous sortez d'une situation extrêmement difficile. Vous avez certainement été dans le coma. Dieu vous fait grâce de
vous remettre sur pied. Est-ce que vous pouvez sortir tous les prisonniers politiques, toutes les personnes que vous avez mises en prison ou qui sont en prison à cause de vous, afin d'essayer de retrouver une paix intérieure? Voilà le message que moi, j'aurais voulu que ces gens-là, en allant voir celui qu'ils sont allés voir, je ne sais pas si c'est Ali ou c'est pas lui. C'est le message que moi, j'aurais voulu que ces gars apportent. Parce que nous avons des compatriotes qui croupissent en prison depuis bientôt 3 ans. Pour des raisons politiques. Qui croupissent en prison à cause de la haine des hommes. Parce que, imaginons sur l'instant, si en 2016, Ali Bongo avait reconnu sa défaite, il disait sagement, il appelait sagement Jean Ping. Monsieur Jean Ping, on se connaît, il y a des liens entre nous quelque part. Vous avez été élu comme Abdoulaye Wade avait appelé Macky Sall à l'époque au Sénégal pour lui dire que vous avez gagné l'élection. Il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu tout ça. Les Bertrand Djibi ne seraient pas en prison aujourd'hui. Les Landry Washington ne seraient plus en prison. Les Massawala ne seraient plus en prison. Les Oyougou ne seraient plus en prison. Mais ces gars-là sont en prison à cause de la haine. Parce que Ali Bongo, c'est un haineux. Il avait de la haine. Il a de la haine. Il avait de la haine vis-à-vis de nous. Voilà pourquoi certains d'entre nous se sont retrouvés en prison. Et c'est pas fini. Certains d'entre nous ont perdu leur vie le 31 août. Parce que quelqu'un qui est normalement constitué, moi je vous dis, quand on m'a appelé, il y a un ami qui m'a appelé le 31, qui m'a dit, Jules, tu es encore recruté? J'ai dit oui. Il m'a dit, il faut rentrer. J'ai eu l'information selon laquelle on viendra bombarder le QG. J'ai dit à cette personne que tu mens. Nous sommes près de 2000 ici au QG. On va venir nous bombarder. Comment? Et en plus, nous sommes dans une concession privée. Il m'a dit non, j'ai eu l'information. J'ai dit à la personne que c'est faux. Quelque temps après, j'ai encore eu une autre information. Quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Jules, j'ai appris qu'on va bombarder le QG, il faut partir de là. J'ai dit, c'est faux. Nous sommes près de 2000 ici. Nous sommes près de 2000 ici. On peut venir bombarder un domicile privé comment? Je peux dire que c'est au travers de Dieu parlait au travers de ces gens-là. Et il a posé cet acte. En venant faire bombarder le QG avec des hélicoptères qui volaient en l'air, qui tiraient sur les gens. Est-ce que vous voyez ça, quelqu'un? Tu fais massacrer des Gabonais. Tu fais massacrer des Gabonais. Qui, parce qu'ils ne t'ont pas élu, tu les fais massacrer sans raison. Sous prétexte qu'ils avaient brûlé l'Assemblée nationale. Bon, depuis qu'on a brûlé l'Assemblée nationale, pourquoi tu ne répares pas l'Assemblée nationale? Le peuple brûle la maison du peuple. Mais arrêtez les gens, mettez-les en prison. Ceux qui ont brûlé l'Assemblée. Est-ce que c'est une raison de venir mettre fin? On voit les gilets jaunes en train de brûler en France. En train de casser. Qu'est-ce que la police française fait? Ils sont interpellés. Puisqu'il y a des caméras et tout, on les rattrape. On parle de près de combien? Près de 3000 personnes qui ont déjà été interpellées. Et il y a même certains, je crois,
On parle de plus de 300 personnes qui sont en prison. Pourquoi vous n'avez pas utilisé ce mécanisme? Mais venir massacrer les gens dans un QG, c'est avoir de la haine pour ce machin. C'est bien beau. Je vous ai vu avec des grandes robes, des grandes vestes, vous êtes venu parler, faire des déclarations. Oh oui, machin et tout. On l'a vu, on l'a rencontré. Mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ce qui règle le problème. Problème, c'est le cœur. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons savoir qu'un être humain, nous avons été créés par Dieu. C'est Dieu qui doit nous retirer le souffle. C'est Dieu qui nous donne le souffle. Rien ne nous appartient. Mais quand vous prenez parce que vous avez des armes, parce que vous avez une certaine situation sociale, parce que vous voulez absolument être au pouvoir. Vous envoyez des militaires dans la rue pour abattre des Gabonais. Vous savez ce que ça fait? Je vous dis, je connais des familles aujourd'hui qui sont complètement. Le couple entre monsieur et madame, le couple a volé en éclats. Parce que l'enfant qui était au milieu est parti. Le monsieur dit, moi je ne peux pas rester sans enfant. Obligé d'aller épouser une autre femme. C'est triste. Au lieu d'aller avec des grosses robes, aller se faire voir à la présidence pour dire, oh oui, on l'a vu, il va bien, notre sauveur est revenu. Non. Si c'est lui, allez-y lui porter conseil. Qu'il y a des gens qui croupissent en prison depuis près de 3 ans. Depuis près de 3 ans, il y a des gens qui croupissent en prison. Qu'il fasse tout pour libérer ces gens-là. Pour qu'il soit en paix avec lui-même. Parce qu'il est trop haineux. Je vous dis, l'acte qu'il a posé le 31 août, c'est un acte barbare. Jusque-là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme j'étais en train de suivre RFI. Au Mali, il y a eu. Il y a des djihadistes qui ont tué, je ne sais pas, tout un village, combien, 300 et quelques personnes. L'acte qu'il a posé, c'est un acte terroriste. Venir bombarder des gens dans un QG. Dans un QG. Jusque-là, je me pose des questions. Il m'arrive parfois, je reste des minutes, des heures à réfléchir. C'est quoi? Qu'est-ce qui est monté dans son esprit? Pour venir poser un tel acte. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de nous faire partir de là, ou bien de nous disperser? Est-ce que la meilleure façon de nous de faire partir les Gabonais, il fallait les massacrer? Et quand ces hommes, ces leaders religieux s'affichent avec lui, vous avez prié pour lui. Parce que je sais que vous avez dit ça, oh oui, on a fait des prières, on a fait des jeûnes. Attendez, Dieu est en train de foudroyer ce monsieur. Dieu est en train de régler les comptes avec quelqu'un qui a décimé, quelqu'un qui a détruit plusieurs familles. Et vous allez faire l'hypocrisie avec lui à la présidence? Parce que quoi? Parce que vous vous attendez à récupérer des enveloppes sous prétexte que vous avez prié pour lui. Mais c'est malheureux. Pendant ce temps, il y a des gens qui croupissent en prison depuis plus de 3 ans. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Vous allez faire de l'hypocrisie? Vous pensez que ce qui est arrivé là, c'est quoi? Mais c'est une gifle de Dieu. Le Gabon est un pays chrétien. Nous sommes à 98% chrétiens.
Nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas aux fétiches, nous ne croyons pas aux marabouts, nous croyons en Dieu. Parce que moi, quand je suis né, j'ai trouvé mon père protestant, il croit en Dieu. Et certainement son père aussi croyait en Dieu. Je ne crois pas à un marabout. Je ne crois pas à un marabout. Parce que je n'ai pas été créé par un marabout. Mon souffle de vie, je le dois à Dieu. Vous allez à la présidence, vous allez voir quelqu'un. Je sais que vous allez le flatter. Oh oui, on a prié pour vous. On a fait des jeûnes. On a fait ceci. On a fait machin. Vraiment, on a mobilisé nos églises. Ce qui est arrivé là, qu'il soit en vie ou mort, ça devrait lui servir de leçon. Ça devrait lui servir de leçon. Qu'il soit en vie ou mort, ça devrait lui servir de leçon. Et y compris tout son entourage. Et tous ces sbires qu'il utilise pour faire du mal aux Gabonais. Parce que moi, je suis Gabonais 100%. Je suis Gabonais 100%. Je suis originaire de Longwebindo. J'ai mes villages de Makoku Centre jusqu'à Boué. J'ai mes villages. Dans le Walentem, j'ai des attaches parce que mon épouse est moitié du Walentem. Dans le Walentem, j'ai des attaches parce que les petites sœurs de mon père sont en mariage dans le Walentem. Elles ont fait des enfants dans le Walentem. Donc j'ai des petites sœurs, des grandes sœurs, des grands frères dans le Walentem. J'ai mes frères qui ont épousé des femmes du Walentem. Ils ont des enfants. Donc mes nièces, mes neveux, j'ai des nièces, des neveux dans le Walentem. Dans l'Angounier, pareil. Moi-même, j'ai un enfant dans le Gwelolo. J'ai trois enfants dans la Nyanga. Donc quelque part, j'ai des attaches dans toute la Nyanga. Dans l'estuaire, la même chose, parce que ma femme est moitié de l'estuaire. Donc, vous voyez que moi, je suis un Gabonais 100%, j'ai des attaches. Mais ces gens qui viennent faire du mal au Gabon et aux Gabonais, ils ont des attaches où? Ils ont des villages où? Et vous, vous levez un matin pour venir faire du mal aux Gabonais, pour massacrer les Gabonais. Parce que vous voulez éternellement rester au pouvoir, piller le Gabon. Les Gabonais se battent parce que non seulement nous sommes un pays riche, extrêmement riche, et nous vivons dans une pauvreté extrême. Les Gabonais n'ont pas le droit de se lever pour ça. Quand les Léomba et les autres, les Ngondjou sont allés négocier l'indépendance du Gabon, est-ce que vos parents étaient là? Vos parents étaient au Gabon ici? Vous connaissez l'histoire du Gabon? Que vous voulez nous imposer, nous prendre pour des sujets, venir nous abattre comme des lapins. Et les leaders religieux sont contents, ça les arrange. On voit Basile avec sa grosse robe ou sa petite robe, je ne sais pas quoi, les autres aussi, leur veste ou machin. Tout simplement parce que vous pensez qu'après cette audience, vous sortirez de là avec l'argent. Parce que vous êtes tous des commerçants. Vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça m'a fait hier. Pendant que des gens croupissent en prison, qui vivent dans les cacas, qui vivent avec les moustiques, les rats et tout ça. Là. Vous êtes dehors en train de se la couler douce. Vous allez reconforter un multimilliardaire qui n'a rien à cirer avec vous. Parce qu'eux, ils sont capables de le fabriquer. Ton argent est capable de le fabriquer. Son argent est capable de le fabriquer. Vous allez perdre votre temps, machin, alors qu'il y a des compatriotes qui coupent en prison. Basile avait déjà monté au créneau une fois pour demander la libération des prisonniers politiques.
Mbalinga, les autres, ils sont déjà montés au créneau. Il paraît que c'est vous les leaders religieux. Vous êtes censés. Vous n'êtes pas censés seulement prêcher à l'église. Vous êtes censés même donner des conseils aux gens qui gouvernent ce pays. Ah, vraiment, pour la bonne cohésion nationale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il serait mieux de sortir les compatriotes qui sont en prison ou bien de laisser les compatriotes exercer leurs activités politiques? Voilà les conseils que vous pouvez prodiguer à ces gens-là. Au lieu d'aller faire l'hypocrisie, moi j'estime que c'est de l'hypocrisie ce que vous êtes allé faire. Je suis même sûr que parmi vous, il y a ceux qui disaient, mais moi, c'est fini, il est mort. Et qu'aujourd'hui, vous partez faire le petit pitié, le machin et tout. Oui, on a prié pour vous, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Mais c'est une honte. Au lieu d'aller l'encourager, parce que vous avez vu, on ne sait pas si c'est lui, si c'est pas lui. Au lieu d'aller l'encourager, mais allez-y plutôt, on lui donne les conseils qu'il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a des compatriotes qui croupissent en prison depuis 3-4 ans. Tu me dis, tu veux être de vilain. Tu ne vois pas votre type qui est venu là. Tu crois qu'il est plus beau que moi. Moi, je suis debout, hein, je parle, je suis dans ma main. Lui ne peut même pas parler. Il ne peut même pas parler comme moi. Si tu veux faire la bagarre sur Facebook avec moi, je te bloque. Tu vas faire ton âge, je viens ailleurs. C'est ça la conséquence. Quand on a la haine dans le cœur, on veut prendre des Gabonais pour des sujets. Vous avez vu ce qu'il est arrivé là? Que ce soit lui ou pas. Mais là, c'est une honte. Tu sais, moi, c'est là où j'ai compris que ce type-là n'avait pas de parents. Parce que moi, s'il m'arrive une situation comme ça, même si je suis un homme d'État, mes parents doivent intervenir. Parce que venir l'exhiber comme on l'a exhibé là, c'est honteux. Moi, j'aurais même souhaité qu'on lui mette même dans une. Qu'on lui mette même sur un tricycle. Au moins, un peu comme Bouteflika, on le pousse. Au moins, ça aurait été un peu plus élégant. Mais dans la situation là, comme il venait là, déjà il ne voit pas. Ça doit vous servir de leçon, vous les petits âgés bien communicateurs ou je ne sais pas quoi là. Ça doit vous servir de leçon. Ce qui arrive à ce monsieur-là va vous arriver aussi. Au nom de Jésus. Continuez à vous moquer des Gabonais, continuez à prendre des Gabonais pour des idiots. Moi je vous dis que ça va vous arriver. Un à un. Ça commence d'abord par le haut. Parce que vous n'avez pas un bon cœur. Ce que vous avez fait le 31. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en prison, qui sont privés de leur famille, de leurs enfants, de leurs amis, qui sont privés de tout, qui dorment à même le sol, qui dorment comme des rats. Pendant ce temps, vous êtes là, vous bousillez l'argent du Gabon, vous ramassez les gens, vous amenez les gens à l'aéroport pour aller voir ça. Je sais, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai discuté qui m'ont dit qu'ils sont déçus. Parce qu'ils pensaient que le gars devait arriver comme moi, là, comme moi, debout et tout, ça, là, machin. Les gens ne s'imaginaient pas ce que vous avez vu là. Voilà pourquoi moi je dis, si vous étiez sérieux, moi j'aurais même souhaité qu'on lui mette même sur un tricycle, qu'on le pousse, puisque vous voulez nous imposer la thèse de l'AVC. Bon, on comprendrait que, ok. Il a l'AVC, il ne peut pas marcher. Mais au moins, il est sur une chaise roulante. Mais ce qu'on a vu là, vous devez avoir honte. Et ça, c'est la conséquence quand on a un mauvais cœur, c'est ça. Que je sois vilain ou pas, ce n'est pas ça mon problème, c'est mon message. C'est le message que je véhicule qui est le plus important. Et je ne fais pas ce message pour te plaire, je n'ai pas ton temps, je ne sais pas qui tu es, tu te caches déjà un profil bidon, comme toujours, vous êtes des avatars, je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous. Moi, je me balade dans Libreville, hein, de nuit comme de jour. S'il faut que je perde ma vie parce que je défends mon pays, mais allez-y. Après m'avoir tué,
vous allez tomber AVC sur AVC, AVC sur AVC. Parce que quand vous tuez des gens qui ont raison, Dieu s'occupe de vous. Tuez des gens qui ont tort. Mais si vous tuez des gens qui ont raison, Dieu s'occupe de vous. Voilà pourquoi vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Et c'est une situation qui me réjouit. Parce que le 31, on a pleuré, on a crié. Moi, j'ai vu les gens mourir. J'étais mis en cellule nue comme un ver de terre par la faute de ce monsieur aujourd'hui. Votre Taïd que vous êtes allé attendre à l'aéroport. Et que les leaders religieux vont faire l'hypocrisie. Moi, j'estime que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, tous. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ils n'ont pas prié pour lui. Parce qu'ils connaissent. Ciblement, ce sont des religieux. Ciblement, ce sont des religieux, des gens qui ont la crainte de Dieu, qui méditent la parole de Dieu. Je sais qu'ils n'ont pas prié pour lui. Ils n'ont pas prié pour lui. Ils sont allés là juste pour faire le Saint Thomas. Et je sais qu'ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils ont vu. Donc, mon cher petit, âgé bien. Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux écrire tout ce que tu veux. Moi, je suis dans la joie, je suis en vie, je marche quatre pattes. Même si je ne mange que du riz seulement, je cours, je fais mes lives, je n'ai pas peur, je ne suis pas moché, rien. Quand on veut venir affronter les Gabonais, vous ne savez pas d'où ces gens-là viennent. Quand vous voyez les gens à Libreville, vous ne connaissez pas leur village, vous ne connaissez pas leurs grands-parents, leurs parents. Et puis parce que vous roulez mécanique à Libreville, vous dites que vous êtes capable, vous êtes en mesure d'exterminer ces gens-là. Exterminez-les. Dieu s'occupera de vous. Son arrivée là, ça doit servir de leçon. À vous tous, y compris les petits arrogants de la Gève, là. Ça doit vous servir. Aujourd'hui, les gens ont trouvé une formule pour faire partie des dictateurs. Vous avez vu Bouteflika? C'est désormais la VC. Puisqu'il paraît que les sorciers, maintenant, maîtrisent maintenant. La VC est devenue un fusil nocturne. Donc, les sorciers maîtrisent maintenant cette formule-là. Comme vous jouez avec le pouvoir du peuple. Parce que ce pouvoir appartient au peuple. Ce pouvoir appartient au peuple. Ce n'est pas le pouvoir d'une famille, ni d'un homme. La situation d'Ali Bongo aujourd'hui, qu'il soit en vie ou mort, ça devrait vous servir de leçon. Ça doit vous servir de leçon. Nous avons été créés par Dieu. C'est Dieu seul qui a le droit de nous retirer son souffle, qui a le droit de nous donner son souffle. Nous n'avons pas été créés ni par la présidence de la République, ni par la Cour constitutionnelle, ni par la GR, ni par l'armée gabonaise, ni par la police. C'est Dieu. Et ça doit vous servir de leçon. Donc que les leaders religieux arrêtent d'aller faire l'hypocrisie. Ils n'ont pas prié pour lui. Ils n'ont pas prié pour lui. Parce que quelqu'un qui craint Dieu, c'est Mbadinga qui nous enseigne. Comment on craint Dieu? Mbadinga connaît les principes bibliques. Il connaît les principes. Pareil que l'archevêque, il connaît les principes bibliques. Ce qui lui arrivait là, c'est Dieu. C'est Dieu. On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas avec le peuple de Dieu. Dieu a des gens dans ce pays, des gens qui croient en lui, des gens qui prient en lui, des gens qui gémissent pour lui. Alors quand toi tu veux faire du mal à ces gens-là, Dieu se lève et il te diminue. Le spectacle qu'on a vu samedi là, moi je dis que ce soit lui ou pas, c'était ridicule pour moi. J'aurais souhaité qu'on lui mette encore dans un tricycle et puis on le pousse. Les gens allaient comprendre que oui, il a fait un AVC, peut-être qu'il ne marche pas, mais au moins,
On le voit là assis, il salue les gens. Que de faire ce que vous avez fait là, vous le faites marcher, je ne sais pas, 2, 3, 4, 4 mètres. C'est ridicule. Je trouve même que pour la conversion, c'était même bien. Sa petite marche qu'il a faite là, c'était même mieux. Honnêtement, hein, s'il avait, moi je dis s'il avait de la famille, sa famille n'allait pas accepter ça. S'il avait sa famille paternelle, maternelle, n'allait pas accepter ce qu'on appelle. On lui mettait sur un tricycle. Puisque vous voulez nous faire accepter la thèse de l'AVC. Et on sait que quand on a l'AVC, vraiment je ne vois pas en quel miracle quelqu'un peut être rétabli d'un AVC en 4 mois. Quelle que soit sa fortune. Bon, ok, vous voulez nous faire accepter la thèse de l'AVC. Mais, vous lui cherchez un bon tricycle? Vous lui cherchez un bon tricycle, bien? On voit comment on le pousse, puisqu'il en est le camp qui est là qui le pousse. Au lieu de faire ce que vous avez fait, est-ce que vous trouvez ça de normal? Vous trouvez ça de sérieux? Et vous voulez que les gens compatissent dans machin? Moi, ce type-là a failli me tuer le 31 août. Moi, je veux compatir pour lui. Je connais des familles qui sont endeuillées aujourd'hui. Je connais des familles qui pleurent. Je connais des familles qui sont en prison. Des gens qui sont en prison. Leurs parents sont en prison. Et puis moi, je veux compatir parce que je suis un chrétien. Je ne suis pas un chrétien mouton, moi. Ce n'est pas des gens. Ce n'est pas des gens qui manquent pour avoir de la compassion. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les villages, qui n'ont ni eau ni électricité, des gens qui n'ont pas fait d'enfants, des gens qui ne peuvent pas manger, des gens qui ne peuvent pas s'assoigner. Nous avons des milliers comme ça dans des villages. Moi, je ne peux pas compatir pour quelqu'un comme ça. Il m'aurait mis fin le 31 août. Mais mes enfants seraient malheureux aujourd'hui. Ma famille serait malheureuse aujourd'hui. Ça, c'est la punition de Dieu. Ce que vous avez vu. S'il est en vie, qu'il soit en vie ou mort. Ce que vous avez vu samedi là. Je sais que beaucoup ont dessoulé. Même si vous êtes parti pour crier. J'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient là-bas. Qui m'ont dit que il n'y a rien là. Il n'y a plus rien à espérer là. Si c'est lui. Beaucoup sont venus là-bas dessus. Parce que les gars pensaient que le gars allait venir debout. Comme on le voit souvent là. Un peu bancal là. Il arrive un peu bancal. Machin. Il marche là. Il passe devant les militaires. Et tout, et après, il salue les ministres et tout ça là, il vient saluer. C'est ça que les gens pensaient. Les gens pensaient que c'est comme ça qu'il allait venir. Et j'ai compris pourquoi ils ont balancé le petit truc du Maroc. C'était déjà pour préparer. Bon, et ceux qui avaient Internet étaient déjà préparés, comment le gars devait arriver. Mais ceux qui n'avaient pas Internet, toutes les danseuses là qui dansaient dans le groupe d'animation là, n'avaient pas Internet, ils n'ont pas eu l'élément avant. Ils n'ont pas eu d'éléments avant. Donc moi, je dis les leaders religieux là, au lieu d'aller demander à ce monsieur de libérer les prisonniers politiques, si c'est vraiment lui, de changer son cœur, de changer son cœur. Parce que quand on sort d'une situation comme ça, une situation, si c'est lui, hein, où on était entre la vie et la mort, je crois qu'il a vu des choses, il devrait changer le cœur. Son premier réflexe, c'est pas pour venir défier les Gabonais. Voilà pourquoi je dis, s'il avait de la famille, on l'aurait même mis sur chaise roulante, on le traînait pour qu'il y ait beaucoup plus de compassion. Pas venir faire ce que vous avez fait là, défier les Gabonais, montrer que voilà, vous avez dit qu'il est mort, non? Vous avez dit que c'est un sosie. Nous, on s'en fout de ça. Nous, notre truc, c'est qu'il a été foudroyé. Qu'il soit en vie ou mort. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ce qui va amener le développement du Gabon. Le développement, nous voulons qu'il parte. Puisqu'il n'a jamais été élu. Sachant bien qu'il n'a pas été élu, il a massacré les Gabonais pour vouloir se maintenir là. Dieu a dit, ok. Depuis 2016, on prie. Et bien avant, les gens crient. Moi là, je prie. Et Dieu nous a exaucés.
signe, boulet. Pini. Donc l'hypocrisie que les leaders religieux vont faire là pour distraire les gens. Pendant ce temps, nous avons des compatriotes qui coupaient sans plaisir. Ouais, d'aller dire à ce monsieur, il faut changer. Tu sors de loin. Si c'est vraiment toi, tu sors de loin. Il faut libérer. Premier décret, je libère tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers d'opinion. Et ils partent faire l'hypocrisie. Oui, on avait prié pour toi, on avait fait des messes dans tout le Gabon, on a demandé des messes, on a demandé des jeûnes. Je sais qu'ils sont allés parler de ça. L'homme de la mosquée là qui avait disparu là. Il paraît qu'il n'était même plus au Gabon. On le voit avec son chapeau, machin, tout ça là. Quelle mosquée qui priait pour lui? Il est bien, machin, tout ça. Bon, c'était mon message du soir. Vous savez, quand j'ai vu ça hier, j'étais écœuré. Parce que moi, j'aime pas l'hypocrisie, j'aime pas le mensonge. Et surtout, en milieu religieux, je n'aime pas ça. Faites le mensonge à la politique, machin, parce que c'est pas normal. Les politiciens, on peut encore les traiter de menteurs et tout, on peut comprendre. Mais il ne faut pas que les religieux, les leaders religieux, soient transformés en menteurs. Parce que sincèrement, vous perdez votre respect. Même dans vos églises que vous avez, les gens ne vous respectent pas. Les gens ne vont plus vous respecter. Les gens viennent à l'église pour Jésus-Christ, pour prier Dieu et tout, machin. Mais les gens, mais quand les gens vous voient passer avec vos robes, vos costumes, les gens n'ont pas de respect pour vous. Les gens n'ont pas de respect. Oh, lui, là, oh, laisse-moi ça, ça, c'est... Oh, c'est un collabo, laisse-moi... Non, c'est un bandu. Vous pensez que c'est bien? Quand tu es un leader religieux, c'est un bandu? Ou bien un collabo? Mais Aurélie, ils vont chercher l'argent jusqu'à quand? Ils vont chercher l'argent jusqu'à quand? Pendant que les populations se meurent dans les villages. Je connais tous les villages du Gabon. Je pense à toutes ces vieilles personnes qui vivent seules dans les villages. Qui n'ont pas d'enfants. Des gens qui ne peuvent plus aller en brousse. Qui ne peuvent plus aller en brousse. Parce que les éléphants les empêchent de cultiver. Des gens qui mangent un seul tubercule et ils s'endorment. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont assis sur des milliards ici, qui ne font rien avec l'argent du Gabon. Et vous parlez, c'est ça l'église. C'est ça les leaders religieux. Des gens qui viennent penser, qui vont à la présence pour parler de leur vente, leurs problèmes de vente. Pendant ce temps, les gens croupissent dans la misère. Tout le grand discours que Bazine répond tous les 1er janvier là. On a vu les archevêques tenir tête à Kabila au Congo. On a vu l'église tenir tête à Kabila. Je crois que si Kabila même jetait l'éponge, c'est parce qu'il avait la pression de partout. Ici, nous avons quel genre d'église? Quel genre d'évêque? Quel genre d'archevêque? Quelqu'un qui va faire des salam alek? Allez mentir, ah oui, on a prié pour vous. Vraiment, on avait mis l'église en jeûne, on a machin, gloire à Dieu. Vous êtes revenu de quoi? Ce qui arrive à ce monsieur, c'est la punition de Dieu. C'est une gifle de Dieu. Heureusement que tous les pasteurs ne sont pas dans ce foufou-là. Ou tous les autres prêtres et tout ça là, ne sont pas dans ce foufou. Ou même certains imams ne sont même pas dans ce foufou-là. Bon, c'était mon message du soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis un peu dépassé là, avec toutes les bêtises que je vois. C'est honteux pour des leaders religieux.
Bonne nuit.